Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCRSI. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo! Eh bien, yo tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et la dernière vidéo du jour 6 de l'IAE. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir un petit changement contrairement à les autres trucs. C'est que normalement, je présente, on va dire, d'autres vaisseaux. Et là, ce vaisseau, tout le monde le connaît. Sauf que c'est un cutlass, du coup, hein, tout le monde le connaît. Je pense que c'est l'un des meilleurs starter packs qui puisse exister avec le cutter ou d'autres styles dans ce genre. Pourquoi j'ai choisi celui-là, cette version-là, parce qu'il y a plusieurs versions, bien entendu. Mais cette version-là m'a fait kiffer. Vraiment, je vous assure, dès que j'ai découvert ça, j'ai dit, celle-là, je veux en faire une vidéo. Je veux en faire une vidéo. Pour la simple et bonne raison, dommage qu'on soit dans la journée et pas dans la nuit. Mais déjà, le cutter, c'est quelque chose de quand même que je trouve assez classé, assez imposant pour un début. Celui-là, vous avez bien compris, il a marqué Rescus. Donc c'est pour... le service médical, hein, on va dire, c'est une ambulance désert. Donc, visuellement, il est là, il a son petit flow à lui. Hein. Surtout que tu. Si je vous. Voilà. Tous ceux qui commencent à me connaître savent que j'aime bien ça. Alors, ça a arrêté parce que j'avais éteint les moteurs. Donc, voilà. Mais voilà, il y a un petit flow et la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est ça. Ça, vraiment, les petites guirlandes, moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Vous savez quoi? J'irai tout à l'heure dans la nuit et si je vois qu'il y a un effet sur l'environnement, on va dire les lumières qui scintillent. Je relancerai un petit bout de vidéo pour vous le mettre. Mais j'adore. C'est un petit effet en plus, vraiment, qui rajoute quelque chose à ce vaisseau et c'est insane. Donc, du coup, nous avons deux postes de pilotage. Voilà, comme on peut voir. On voit bien, c'est isolé du reste. Donc, c'est parfait. Là, on a les rangements des armes. Toujours hein, avoir des armes sur soi ou dans le vaisseau, ce qui est tout à fait normal. Ça, on va ouvrir. Donc, bah, c'est le stockage, d'accord. C'est un stockage. Donc, au moins, il y a un truc assez intéressant, c'est ça. C'est-à-dire, si on part si notre corporation part en combat et que les services médicaux, on va dire, de la corporation sont disponibles, ils sont là, ils peuvent charger tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur en termes de médical, donc medpen, les trucs dans le genre, pistolet, enfin plein de trucs différents. C'est plutôt pas mal. Alors à savoir que moi je pense que ça peut servir d'ambulance. Je pense qu'il y a des vaisseaux un peu plus capitaux par rapport aux capitaux, des vaisseaux capitaux en termes de service médical, ce qui est pas dégueu, ce qui est même très bien. Comme ça, celui-là, il peut servir de service médical et maintenir le patient en vie le temps qu'on arrive
aux vaisseaux capitaux qui pourront, eux, lui accorder les soins nécessaires à sa survie pour qu'il puisse retourner au combat, s'il en est capable. Deux couchettes. Voilà, deux couchettes, là, je pense que c'est pour le pilote et le copilote. Tout ce qui est ici. Hein. Une petite toile. Je crois que c'est... Non, c'est les chiottes, pardon. Au début, je croyais que c'était une toile. J'ai failli dire des bêtises. Voilà, bah, vous voyez, dans le Elder, tout à l'heure que j'ai dit, ça aurait été très bien d'avoir ce style. Ah merde, dommage. On peut pas se voir en train de couler son un cake. Ah, j'ai vu ça. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un truc dans le même style, parce que ça aurait été très intéressant. Là, au moins, il y a de la propreté. Tu vas en guerre, mais t'as de la propreté. Du coup, on arrive au service le plus intéressant du vaisseau. D'accord? C'est ce qui est, entre guillemets... Ouais, c'est même pas de stockage. C'est dommage. Là, c'est pour donner sur l'extérieur, et l'autre côté, pareil. Hein. C'est... Donc là, vous avez deux lits médicaux. Médicales, pardon. Donc, là, l'assistance médicale, vous en avez deux, vous pouvez faire des allers-retours. C'est pour ça que je dis que c'est une ambulance, ça peut pas être... Parce que si vous avez 5 mecs qui arrivent d'un coup, forcément, il y en a qui vont rester sur le sol, quoi. Là, il va y avoir une réanimation qui va être faite, mais ils vont rester sur le sol. C'est pour ça que je dis que c'est une ambulance, et une très belle ambulance, d'ailleurs, parce que c'est quand même pas dégueu pour une ambulance, mais c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, hein, personnellement. Et là, vous avez la soute. Donc, moi, je vois le truc en mode... tractor beam, on garde la soute ouverte quand on voyage. Les mecs, les collègues, ils envoient les corps en tractor beam, ou il y a un mec ici en tractor beam qui récupère les corps, qui les met là, et tes collègues, bam, ils les prennent, ils réa, boum, dans le lit, tac, boum, dans le lit. Et là, on commence les soins médicaux. Enfin, il peut y avoir une logistique assez impressionnante et énorme. Donc tout ça, c'est que du facultatif. Facultatif. Non. Ouais, non, c'est facultatif, c'est pas obligé. C'est... Mais on va dire qu'aussi on fait pas mal de suppositions de ça pourrait être comme ça, ça pourrait être comme ça. À voir ce qu'en feront les joueurs in-game, ça pourrait être intéressant. Et vraiment avoir ce genre de métier, ce genre de personne quand on part en combat, c'est rassurant dans un sens parce que ça veut dire que tu vas pas te retaper 45 millions de kilomètres ou plus quoi. C'est les mecs qui vont venir te sauver là. Tu pourras leur donner... Le bon Dieu sans confession, parce que c'est grâce à eux que tu pourras repartir quasiment hélico presto au combat si t'as un vaisseau à ta disposition ou pas. Hein, parce que là, on parle de combats spatiaux, mais combats terrestres, c'est encore pire. Ça veut dire que sinon, ça veut dire que t'es vraiment au top du top, quoi. Ça veut dire que t'es, le mec, il se pose même pas à tractor beam, bam, tu le tires à l'intérieur, bam, tu le tires à l'intérieur. En fait, il peut y avoir tellement de dingueries, et les personnes qui vont faire ce gameplay vont avoir tellement de possibilités. C'est-à-dire que tu peux être très bien un médecin du terrain, tu peux descendre en bas sur le terrain, sur le champ de combat, le champ de bataille, pour réanimer les personnes qu'il faut. Enfin, ça peut être... Tu peux être le médecin de guerre comme le médecin urgentiste de guerre là-dedans. Enfin, ça peut être une véritable dinguerie et d'opportunité qui s'ouvre à nous en tant que gameplay dans le jeu. Donc, à savoir quand vraiment il sera implanté in-game. Je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui a implanté, mais bon, je pense qu'il faut quand même certaines choses pour... Parce qu'on peut déjà faire du service médical, hein. Et parfois, il y a des balises de réanimation qui sont affichées... En haut de votre écran, comme parfois vous pouvez faire taxi Uber, et parfois vous pouvez faire médecin. Donc c'est implanté, mais je pense qu'il manque certaines choses pour que ça soit vraiment visible et connu de tous. Donc là, moi, ce que je voulais vous faire entendre, voilà, c'est écoutez-moi ce bruit de moteur là. Il est juste insane ce bruit. Il est juste insane. Donc on a quand même de quoi se défendre. Voilà. Deux petites... Merde. J'ai pas en VF4. Donc, on a les petites... on les voit pas correctement. Les petites là dessous les ailes qui arrachent le bitume. Et il me semble qu'on a deux autres dessus. Voilà. Donc là, on peut faire un combo. Et enfin, ça peut quand même faire reculer un petit peu. Même si c'est pas fait pour faire des dégâts, hein, bien entendu. Hein. Est-ce qu'il a des missiles? Ça m'étonnerait. Hein. Non, il n'y a rien. Donc,
C'est plutôt pas mal, mais après, est-ce qu'elle a la rapidité? On va tester ça. Et l'agilité, parce que pour moi, une ambulance qui va sur un champ de bataille, faut qu'elle puisse venir et repartir ultra rapidement. Alors, au début, c'était fun le bruit. Maintenant, je dois reconnaître que ça casse un peu les oreilles. Le bruit est trop strident, on va dire. Mais en termes de vitesse, pour l'instant, déjà, ça a l'air pas dégueu. On va dire qu'il peut arriver sur une zone de dégâts. Si vous voyez ça, c'est un gameplay qui me plaira, un de ces quatre. On en fera une petite vidéo, peut-être. Je verrai, je m'achèterai peut-être, parce que j'aime pas louer, moi, in-game. À savoir que la location, pour moi, elle coûte trop cher pour ce que ça peut te rapporter. Donc, je l'achèterai peut-être, on verra combien il coûte et si, quand ils auront réglé tous les bugs de vente, si je peux me faire de l'argent et du coup, je pense que je pourrais l'acheter, hein, j'ai 5 millions, donc je pense que c'est largement possible de l'acheter, mais j'aime bien avoir toujours une sécurité, si je dois aider des nouveaux ou quoi, quand ils arrivent dans la corporation. Leur acheter 2-3 trucs ou quoi, c'est pas mauvais quoi. Mais en termes de vitesse, écoutez, et en termes de maniabilité, il est quand même présent. Hein, il perd beaucoup de vitesse quand on tourne, je vois. Mais c'est peut-être parce qu'aussi une forte masse. On va essayer d'aller à pleine balle tout droit. Après, il y a une tempête, peut-être que ça nous ralentit un peu. Ouais, donc déjà en atmosphère, vraiment il bombarde que dalle quoi. Il va à 500 mètres secondes, c'est pas mal hein. Mais t'as vu quand on touche le Elan là, on sent très bien qu'il y a une grosse différence. Et pour moi, on la ressent là la différence hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Et je reviens vers vous dès que je suis dans le noir total pour voir si les lumières fonctionnent. A tout de suite. Et re tout le monde, donc on n'est pas là pour très longtemps, mais pour quelques secondes, le temps d'admirer un peu ce que ça fait. Donc on a l'éclairage en face et les lumières qui sont bien entendu présentes et très très belles. Vraiment, moi, juste pour ça, en fait, j'adore, ça ajoute encore plus d'immersion au métier. Vraiment, c'est juste une petite dinguerie de masterclass de leur part, en tout cas. Voilà. J'espère que CJ s'en rend compte que là, vraiment, c'est beau. Je veux juste voir. Même quand on éteint les moteurs, en fait, c'est toujours présent. C'est juste dingue. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour tous les nouveaux comptes qui est dans la description. Ça se fait quand vous enregistrez sur le site, vous mettez le code de parrainage. Et n'hésitez pas à venir sur notre Discord si vous avez envie de rejoindre une corpo ou apprendre à jouer. On sera prêt à vous accueillir les bras ouverts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss!